Eh bien bonjour à tous sur l'univers et bienvenue dans cette nouvel épisode de Star Citizen Fact. Comme d'habitude, juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez cette vidéo, et sans plus tarder, on commence tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire le tour des quelques dernières actualités de Star Citizen. On va essayer de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant ce début d'année 2024, qu'est-ce qui va nous attendre pour les prochains mois et les prochaines semaines. Et on va voir, vous l'avez vu, une date très importante pour cette année 2024 qui va arriver très prochainement. Il s'agit du 7 février et on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Allez, on commence sans plus tarder. Bon alors évidemment, encore une fois, une très bonne année 2024 à tous, voilà, on l'avait déjà dit, mais au cas où c'est redit, voilà, on sait jamais, on ne le dit jamais assez. Les équipes de CIG sont pleinement revenues depuis maintenant près d'une semaine et demie, deux semaines, et ça a commencé avec un premier message qu'on a eu, ces infos de cette année, avec un « in case you missed it », donc tout simplement, si jamais vous l'avez raté, si on traduit directement en français, il s'agit du coup d'une opération commerciale, donc qui a duré uniquement la journée du 18 janvier, évidemment, donc c'était voilà l'opportunité pour ceux qui souhaitaient éventuellement racheter certains vaisseaux qui sont passés durant cette année 2023, qui n'ont pas pu acheter pour X ou Y raison, et ben ils peuvent l'acheter, ils pouvaient l'acheter du coup sur cette journée-là. Alors c'est déjà passé évidemment, mais bon voilà, c'est important d'en parler brièvement. On n'a pas encore eu malheureusement pour le moment le retour des Inside Star Citizen et des Star Citizen Live, mais je pense que ça ne saurait trop tarder d'ici peut-être la semaine prochaine. On devrait avoir plus d'infos sur tout ça déjà de façon dès lundi dans le This Week in Star Citizen. Allez, rentrons clairement dans le vif du sujet en quelque sorte, en parlant mise à jour, en parlant un petit peu technique, et qu'est-ce qui va nous attendre pour ces prochains jours et prochaines semaines. Alors préparez-vous pour le retour du Tech Preview dans peu de temps avec un nouveau patch qui va être déployé sur ce dernier. Alors justement, alors peut-être qu'à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, ce patch est déjà sorti, mais il s'agit du troisième test des couches de réplication qui devrait avoir lieu normalement, si tout va bien, le jeudi 18 janvier. Alors à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, normalement cette date est déjà passée, mais moi je la tourne un petit peu avant. Donc voilà, on sait jamais trop ce qui peut se passer, il y a souvent des décalages, etc. Mais voilà, il y a de fortes chances que ça ait bel et bien lieu, on verra évidemment ce que ça donne, on aura l'occasion d'en reparler. Le but évidemment ici, vous vous en doutez, est de continuer à peaufiner un petit peu cette technologie de couche de réplication en y ajoutant cette fois-ci les serveurs recovery. Donc vous savez, c'est la possibilité d'empêcher, ou plutôt de réparer, une erreur 30K ou lorsqu'un serveur crash. En parlant de tech preview et de couche de réplication, on a eu un petit communication feedback qui a été donné brièvement sur ce qui s'est passé justement durant ces vacances de Noël, avec, on le rappelle, le test justement des couches de réplication qui a duré deux semaines. Donc voilà, tout le monde est invité à venir du coup partager un petit peu son feedback, son ressenti sur ces couches de réplication et sur ce patch de test qu'il y a eu pendant les vacances. Évidemment, vous vous en doutez, durant ces deux premières semaines, on a également eu quelques mises à jour côté PTU, ou plutôt EPTU si vous préférez en l'occurrence, avec quelques changements et corrections de bugs sur la mise à jour 3.22, avec l'arrivée notamment de la 3.22.0A. On a eu aussi dans les quelques items notables, par exemple, l'espèce de fusil de salvage. Alors souvenez-vous, vous avez le petit pistolet là qui permet d'utiliser un rayon tracteur. Il y a une version de ce même pistolet, de ce même multi-tool, avec un attachment pour le salvage. Et bien là, on a la même chose, mais cette fois-ci en taille beaucoup plus grande. Souvenez-vous, on a le rayon tracteur, qui est un petit peu sous forme de fusil rayon tracteur là. Et on a la même chose pour le salvage, qui est donc intégré à cette mise à jour 3.22.0A. Évidemment, pour le moment, aucune information sur la date de sortie live de cette mise à jour. Allez, rentrons dans les choses un petit peu plus intéressantes et un petit peu plus palpitantes. On a déjà quelques infos sur la mise à jour 3.23. Alors oui, ce sera donc la mise à jour officielle qui va donc suivre la mise à jour 3.22. On a eu déjà quelques informations par YogiCladCIG sur Spectrum, comme quoi l'interface utilisateur des Master Mode était un petit peu en retard, mais qu'il devrait y avoir quelques nouveaux assets qui devraient commencer à faire leur arrivée en 3.23. Alors évidemment, on aura l'occasion d'en reparler assez largement de cette mise à jour lorsqu'on aura plus d'infos là-dessus, et c'est-à-dire au mois de février. Et oui, vous l'avez suivi du coup, hein, on en parlait brièvement en introduction de cette vidéo, mais la prochaine date importante à ne pas manquer pour CIG et pour vous aussi, entre guillemets, si jamais vous souhaitez être tenu au courant des informations, c'est le 7 février, le mercredi 7 février. Date à laquelle CIG va faire sa prochaine roadmap update, et ça va être vraiment essentiel, si ce n'est vraiment le moment clé de l'année, qui va enfin décider de qu'est-ce qu'on aura dans les mises à jour 3.23 et peut-être un petit peu plus loin s'ils nous teasent un petit peu tout ça. Bon, vous le savez maintenant, depuis plusieurs mois slash années, ça fait quand même voilà maintenant un moment que CIG ne publie plus la roadmap sur l'année entière. Il publie une roadmap uniquement sur la mise à jour qui va suivre. Mais on aura déjà du coup beaucoup plus d'infos sur qu'est-ce qu'il y aura dans cette mise à jour 3.23, et également on espère avoir une upgrade, une mise à jour du Progress Tracker, avec évidemment plus d'infos sur notamment le server meshing, etc., le système Pyro, son arrivée sur les serveurs live, etc., etc. Bref, tous ces genres de détails, on aura l'occasion d'en reparler, mais le 7 février sera vraiment une date clé pour cette année 2024 au sein du développement de Star Citizen.
Bon, bien voilà, nous arrivons donc à la fin de cette courte vidéo d'actualité. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Si elle vous a plu comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à me partager votre avis dans l'espace commentaire. Déjà, peut-être vous pouvez me partager ce que vous avez fait pendant ces vacances de Noël. J'espère qu'elles ont été géniales pour vous, même si c'était déjà il y a quelques semaines. Et quelles sont vos principales attentes pour cette année 2023? On en avait déjà parlé. Et quelles sont vos principales attentes pour cette année 2024? Alors, on en avait déjà parlé, mais je suis curieux un petit peu de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Bon allez, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.